à tous. Je suis là, avec un nouveau tuto pour vous montrer comment enlever le code iPhone. Exactement, c'est un iPhone 5C. Voilà, vous voyez, c'est bloqué sur un compte, un code que je ne connais pas. Vous voyez, voilà, ce matin, je vais vous montrer comment enlever. Donc, on va enlever ça en un clic avec le logiciel dénommé. Avec le logiciel dénommé eMyPhone Lock Whipper. Voilà, sans plus tarder, vous voyez, on dit ici iPhone est désactivé et c'est dans une minute. Donc, ici, on va exécuter notre logiciel dénommé eMyPhone Lock Whipper. Je vais laisser le lien directement dans la description. Voilà, donc ici, nous allons l'exécuter. On va cliquer sur oui. Voilà, donc ici, suivez ici. Voilà, ça vous donne ici, on est déverrouillé. L'Apple ID déverrouille le code de temps d'écran. Ici c'est contenu MDM. Ici c'est déverrouiller le code d'accès de l'écran. Donc ici nous allons utiliser ici le déverrouillage du code d'accès de l'iPhone. Donc ici nous allons commencer. On clique sur ici déverrouiller, commencer. Voilà, ici on est de télécharger le paquet. Si vous avez déjà téléchargé, vous partez directement sélectionner le fichier, le firmware en question, dans votre disque dur. Donc ici, moi, je vais aller dans mon emplacement. Ici, voici le firmware ici. Et je sélectionne. Donc ici, nous allons patienter jusqu'à ce que le firmware soit extrait. Voilà. Donc ici, on patiente. Et bien, si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement et appuyer la cloche de notification pour avoir plus de vidéos de ces gens. Et aussi, partager, liker avec vos amis. Voilà. Et l'extraction est terminée. Donc, nous allons passer à présent à. Au déverrouillage. Ok, donc ici, avant de commencer, on dit de mettre le téléphone en mode de récupération. Donc ici, je vais mettre en mode de récupération. On va mettre en récupération. On va vous mettre ici la touche A et Home. Si l'écran ne passe pas, ça c'est pas moi. On maintient pendant quelques secondes jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Tu envoies ton écran. Et bien, si vous n'avez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc vous relâchez la touche pour et vous mettez seulement. Ok, à présent, notre téléphone est en mode de récupération. Donc, nous allons passer au déverrouillage ici. Donc, ici, vous cliquez ici déverrouille. Regardez très bien ici. Ils ont monté ici un code ici 00 6 fois 0. Donc, vous appuyez ici 6 fois 0. Ok, donc ici, et à présent on clique sur déverrouille. Patiente. Donc ici, le logiciel est en train d'enlever tous les modes de verrouillage de notre iPhone. Donc ici. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, ne pas manquer d'autres étapes. Regardez très bien le message. On dit veuillez garder votre iPhone connecté et ne l'utilisez pas pour éviter qu'il ne soit bloqué. Voilà, donc ici, ça c'est le message que le logiciel nous dit. Donc ici, patientez et ne touchez même pas le téléphone jusqu'à la fin du processus. Voilà, à la fin du processus, le logiciel lui va vous dire. Vous pouvez à présent tirer le téléphone. Donc ici, regardez ici, voilà. Voilà. On t'appelle. Ouais, ciao. Tu as gardé mon gomo. Ah! Il faut faire. Dès que tu as nos baissés là-haut. Non, gomo. Ok, on passe. C'est un coup présentement. C'est un coup. 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 C
vais zoomer un peu sur le téléphone pour voir. Il passe à dire qu'à la fin du processus et regarder la vidéo en entier. La douane somme à 56% et regarder sur l'iPhone. Voilà. Je vais mettre un peu la vidéo en pause pour ne pas qu'il soit très long. Je vais être ici. On va patienter. Voilà, donc on patiente. La douane somme à 86% et regarder le chargement sur l'iPhone. Voilà, je vais vous montrer un peu. Je vais zoomer un peu la caméra. Voilà, regardez un peu. Voilà. Donc ici, nous sommes à 80%. Donc, on va passer jusqu'à la fin. Ok, nous sommes à 93 présentement. Voilà, on va ici. On dit le virage est terminé. Le virage est terminé. On dit vérifier si votre iPhone, si votre appareil s'allume. Donc ici, vous voyez, on va dire le téléphone va s'allumer. Là, le téléphone va s'allumer. Voilà. Je n'ai pas le téléphone pour vous montrer. Voilà, voici ça. Le logiciel a fini de faire son travail. Donc, c'est à présent le téléphone lui-même qui est en train de charger toutes les données de l'iPhone. On doit lock my phone, lock VIP corrige beaucoup d'erreurs. Voilà, il peut faire le bypass. C'est-à-dire quoi, lorsque vous oubliez le mot de passe de votre iCloud, et tant que le téléphone marche, le fonctionne déjà, vous pouvez utiliser lock VIP pour pouvoir supprimer le iCloud. Ou bien aussi, vous pouvez supprimer, déverrouiller le code d'écran. Voilà, vous pouvez aussi, vous pouvez développer le téléphone. Vous avez oublié, peut-être, vous avez oublié votre code, vous avez mis jusqu'à ce que iPhone ne soit désactivé. Voilà, avec la solution, vous pouvez faire tout ceci. Donc ici, regardez aussi jusqu'à la fin. Vous pouvez suivre jusqu'à la fin. Vous pouvez suivre jusqu'à la fin. Ok, donc ici, à présent, nous allons passer, nous allons faire suivant seulement. Et si on choisit une langue, vous choisissez votre pays. Choisissez votre pays. Moi, ici en Côte d'Ivoire, je choisis la Côte d'Ivoire. Et vous dites, continue. Ici, on va essayer de connecter l'iPhone à un réseau mobile. Alors, donc, nous allons connecter à un réseau. Ok, donc je viens de connecter à un réseau. Et on suit. Disable.
n'est pas obligé de ajouter un coude. Continue. On dit ici, restore, prends comme un nouveau iPhone. Ici, sitting litter. Non, ne pas utiliser de compte. Donc ici, aigri. Et ici, don't share, ne pas partager. Get. Voilà, vous voyez. Vous venez de récupérer votre iPhone. À présent, il n'y a plus de code. Le code a été supprimé. Vous pouvez utiliser comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi un nouveau code, comme vous pouvez mettre un nouveau identifiant Apple, c'est-à-dire iCloud. Voilà, donc, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et aussi vous abonner à ma chaîne, ma citément, j'ai la téléphonie.